Je participe au 41e Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Je m'appelle Josiane Robert, je suis artiste visuelle et vidéaste. Mon médium, c'est vraiment la vidéo. J'aime beaucoup ce médium-là parce que je peux travailler le temps dans une très grande simplicité, un très grand minimalisme. Je travaille beaucoup avec les gens. J'ai vraiment le réflexe, en voyant des gens de ma communauté ou de mon entourage, de les inviter à faire partie de performances qui sont filmées. Dans le but de faire des installations vidéo. J'aime demander aux gens de poser des actions très simples, embrasser, marcher, ramer. Aussi, j'ai fait une œuvre où je dépose une barque sur la cime des épis d'un champ de maïs, puis je demande à des gens de ramer. J'ai aussi demandé à des gens de venir m'embrasser sur la bouche dans un long plan séquence. Les gens viennent s'asseoir en face de moi, me regardent et on finit par échanger un baiser sur la bouche. Puis c'est quelque chose qui est très doux, c'est très beau, c'est en silence, on peut voir le non-verbal des gens, on peut sentir l'énergie qui se déploie, on peut sentir certains vertiges. J'aime beaucoup ça, en fait, je cherche à rendre l'invisible visible. J'ai une certaine déception à ne pas comprendre complètement l'autre. On dirait que je cherche toujours à comprendre la perception de l'autre, à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Puis on dirait que ça revient toujours dans mon travail d'essayer de mettre en scène des stratagèmes pour percer ou pour illustrer. Comment je vais travailler la notion du je et du nous dans le symposium, la thématique? Mais en fait, je vais travailler un projet que j'ai commencé l'année passée. C'est un projet vidéo et photo, où j'invite les gens à participer, à se faire filmer en état d'écoute, en état de méditation, ou photographier. Puis dans un cadrage un peu spécial, c'est un cadrage vertical, où je garde beaucoup d'espace au-dessus de la tête des gens. C'est pour parler d'espace mental. Dans le fond, je me questionne qu'est-ce qui revient comme pensée chez les gens, quels patterns reviennent, qu'est-ce qui plane au-dessus de nous, qu'est-ce qui nous suit, quels nuages nous suivent. Donc, dans la première série de vidéos que j'ai fait, c'était filmé dans la nature. Puis dans le symposium, en fait, ce que je fais, c'est que j'invite les visiteurs à se faire photographier dans une mise en scène que je crée. Je travaille avec de la polytène, je travaille avec des branches, avec de la corde. Pendant tout le mois, je vais explorer différentes matières. Puis je vais me faire surprendre par les gens qui vont venir parce que je les ai pas choisis, ils débarquent dans mon atelier. Puis c'est ça que j'aime, là, capter les gens tels qu'ils sont, puis je les trouve tout de suite beaux, tous beaux.